La 8e édition du Festival international du film documentaire du 2 au 7 mai à Agadir. Le Filadoc à Cinéma Lille Jamir. Le Filadoc, le cinéma pour tous. Ici à Agadir, vous avez vu le spot qui commencera à être diffusé à partir de demain sur notre partenaire TV2M, qui est le partenaire officiel du Filadoc depuis 5 ans et qui soutient fidèlement et sans lequel ce festival n'existerait pas. Je remercie aussi l'hôtel Andy qui nous accueille, qui sera l'hôtel partenaire de ce festival, de toutes ses équipes, et je remercie évidemment tous les autres partenaires. Je sais que certains ont des représentants dans cette salle. Lundi prochain, à la salle Brahim Radi, les projections se dérouleront donc à la salle Brahim Radi de la Baladia. Elles se dérouleront donc du lundi soir jusqu'au samedi soir, tous les jours, 4 séances l'après-midi et le soir. Et tous les matins, on fait des séances aussi pour les scolaires, qui ne sont pas forcément sur le programme, mais qui sont vraiment un moment qui est très attendu par toutes les écoles, de tous les enfants qui participent, qui ont l'occasion de retrouver le cinéma en salle à l'occasion du festival. On travaille aussi au complexe Jamal Dora, au complexe municipal à l'université Inzo. Ce sont des soirées tous les soirs du mardi jusqu'au samedi. Et cette année, on ajoutera aussi des projections l'après-midi qui sont organisées avec les clubs d'étudiants de l'université. Donc c'est tout un travail qu'on fait depuis 2 mois avec les clubs, avec ces clubs d'étudiants pour choisir des films avec eux. Donc la 8e édition du FIDADOC à Agadir se déroulera du 2 au 7 mai avec ses sections traditionnelles, une compétition internationale, un panorama africain, du monde arabe, des séances thématiques. Et cette année, on va faire des projections non seulement à Agadir, mais dans toute la région Sousmassa. On va aller dans une dizaine de villes, visiter des associations, des écoles, faire des projections en plein air. Et on va aussi travailler avec des artistes, des musiciens sénégalais, un danseur palestinien qui vont partager leur art avec des jeunes Gadiri, avec des jeunes du Sousse. Eux sont des personnages de cinéma, de films, et ils vont travailler avec ces étudiants et avec ces jeunes de la ville pour, à la fin du festival, organiser un concert et un spectacle de danse.